on va démontrer l'intérêt de cette poche de Napolitana, l'égalité de cette poche. On a 4,5 kg de tomates. Qu'on a nettoyées, qu'on a. Que l'on a déjà préalablement. Coupé. Exactement. Ça nous a pris. Un bon 25 minutes. Un bon 25 minutes, oui. Je vais sortir la sauce tomate Napolitana de son sachet. 50% de tomate Emilia Romana. Une belle couleur, une belle texture. Notre sauce Napolitana est déjà prête à l'emploi. L'avantage de cette sauce, c'est qu'elle a une texture croquante grâce à l'intégrité de ces cubes de tomates, comme on peut voir. On voit bien les bons morceaux, il y a de la pulpe. L'avantage, c'est qu'on n'a pas d'eau en surface, on peut voir. Même en la laissant reposer, on peut très bien l'utiliser comme base pour pizza. On peut très bien directement la mixer avec des concombres pour faire un gazpacho l'été. Et éventuellement les petites tapas, bien sûr, selon si on voyage ou pas. Avec cette base-là, vraiment, ça ouvre vraiment toutes les possibilités. On est parti ? Ouais, c'est le temps. Bon appétit.